merci la fidélité Nabino na grand forum 4e numéro ya semaine Oyo jeudi 24 février 2022 merci encore une fois à Kolanda Biso partout à travers le monde et Sika Bozali Kolanda ces grands espaces d'analyse et actualité ya RDC Afrique pays monde et na lingala courant langue ezolobama awana Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo nous sommes en direct d'ailleurs merci encore une fois parce que Bozana Biso quelques news élections ba gouverneur et vice-gouverneur na 14 provinces les a concernées commission électorale nationale indépendante lobby ba repoussé date donc et kei un mois et liboso c'est-à-dire le 6 mai des élections ana ekosalema 2022 seni apesi raison naye et a justement pour nakoluka ko le temps qu'on réunir ba moyenne la banque centrale du Congo mais aussi qu'on faciliter inclusivité par rapport na démarche au bazar na yango mais déjà bato basi ba déposer qui ba candidature na bango dans les délais ils n'ont pas de problème je crois que machine eza ko continuer donc pour na élection ba gouverneur c'est pour le 6 mai 2022 ticket ya union sacré pour la nation lobito lobela ki yango et sika AFDCA et modeste bati bazui 6 postes na likambeta l'élection ba gouverneur UDPS a juste 5, c'est-à-dire gouverneur, plus ma vice-gouverneur. Mosaïque PPRD à Union Sacrée, Bazui Poste Moko, UNC, Vital Kamere, Moko, MLC, Mibale, Ensemble Moko, voilà répartition. Alors, et Oumélité, Mbala Moko, Mosaïque à PPRD, Baboy Listewana. Bah, rejeté en gros en bloc, bah, lobby, Eza, synonyme, il y a discrimination, Ezali, liste Moko égocentrique. Donc, Zola Ksakezana, Batumoko, Bazamo Pimi, Balingi, Kotike la Baninga, Bango balingi ba s'accaparer na nyonso ba sengi implication il y a autorité de référence justement il y a Union Sacrée initiateur na yango président de la République Félix Tshisekedi pe balobi que liste oyoto ticket Union Sacrée et zo tenir compte na configuration actuelle oyeza na Union Sacrée na kati ya majorité na bango alors to éviter configuration yango. Alors, ça montre comme si, moi, tension, mouké, et kokozala, na katia union sacrée par rapport na dossier wana. On nous apprend, que ba compte ya ville, province ya Kinshasa, eza de nouveau bloqué, na banque, ba kangi yango, parce que oui, que ville à Kinshasa, azana problème ya banyongo. Banyongo, selon gouverneur Ngobila, eza okimbuta tikela ki bango, mais aussi, ils ont un sérieux problème na famille Moleka. Alors, on nous apprend que ba compte ya ville à Kinshasa, ça, ils a de nouveau indexé, ce qui posera des sérieux problèmes de fonctionnement. Dans le moment où il y a 11 mois de paiement, il y a un cabinet politique, nous sommes ministères provinciaux, nous sommes en train de faire des choses, mais nous sommes en train ça fait pratiquement 11 mois en train de alors, miracle, nini gentilin gobila kosa la poids fouta batouana, ils sont presque démotivés. Sur le cabinet, tu sens vraiment que vie est allée sous-souter, la façon dont elle fonctionne. Et là, je crois que le gouverneur n'a pas projet à un gros zandou et pas à venir qui quitte et pas et l'engue ça tout ça m'a cambézé belé à cause là mais ce qui va kangi le sous compte alors calvaire wana et zo bandana ville et zo senga soit leadership ya ville bas s'imposer parce que et gros gocha bango bu et koko bimisa inefficacité il ya gouvernance ya ville province il ya Kinshasa. PPRD na ACP, il y a Gentilin Ngobila, bazo wele la bureau. Bureau ango eza en face, il y a commune, maison communale, il y a Gombe, eza na bureau moko fait, eza la ka arrêt ya kala ya sotraz. Ba modifié ango, ba komisi ango ndaku. Alors PPRD a komisi ki ango section na e ya Gombe. Donc bureau, il y a comité exécutif communal, il y a Gombe. Alors, et ça li que, na moi mi kole ou ti kole ka awa, Batou ya parti ya Gentilin Ngobila ACP ba ye penana peinture ba pakoli likolo ya ba photo ya PPRD ba longoli couleur nyonso ya PPRD mais rideau na bango eza na kati ezomona na drapeau ya PPRD ba che couleur ya pembe wana alors soko kesi ko kokuta yango alors bande ka PPRD ba lobi ba mataba kita ba zong se la bango bureau na bango na malembe ba boyi problème alors on sait
informé par rapport à la situation. Bakundi a ACP Argentine Kobila Balobi Baebili Kambuanate, Babimisa qui pratiquement plus de 20 000 dollars pour n'a pas louqué la bango et Sika. Alors, bah, comprendre, t'es moutou à Zoki, initiative, voilà, comment qu'est-ce qu'on sera battre, na bureau, wana, eza, liboso, ya maison communale, et pourtant, bah, pèse à Gembongo, à Luka siège, Sika Moussousso, bourgoumestre adjoint, ya Bumbu, aza cité, un certain Yves, yaza qui n'a pas perdu, mais si quoi, Kotina ACP, Argentine Kobila na Union Sacrée, alors, bah, le billet d'Azo Sala, moi, Mobuluana. Alors, nous espérons que tension qu'on s'allait entre les deux formations politiques, bah, finir par Koyokana pour na trouver solution dans l'Ikambuana. Voilà les news sur Zaki Nango. Adolphe Amissi, Aza Nabiso, na plateau, il y a grand forum, Ndeko Amissi, Aza, il y a Ligue des Jeunes, il y a UDPS, Union pour la démocratie. Plaisir parce que et ça, c'est quand même un bon bébé tout à l'heure. Pendant au salaire qui transimasse quelque part, mais l'ose, ah ouais, quand même, vous avez fait un bon choix. On est à terme politique. Bien sûr, vous avez fait quand même un bon choix parce que il faut en ici quand vous mettre pas du tout à l'aise. Ok, je crois que ici je me sens à l'aise, même si on n'est pas à l'église où on dira tout en l'air. Ok, mais je me sens quand même à l'aise et je suis là pour répondre à toutes les questions. Alors, justement. Je retiens encore Adolphe Amissi, c'est pour une petite question, il y a actualité justement. Au fait, ma photo est circulée, Tomoni, Jean-Marc Kabound, Félix Tshisekedi, ma fan de tournée de table, évidemment, maman Marthe Pez à la Kiwana, Tomoni, Adolphe Amissi, et l'on qui n'avait mis la photo. Anna. Alors, conclusion, finalement, dans les réseaux sociaux, c'est que Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kabound, ma koutana qui autour, il y a maman Marthe. Alors, du fait que Tomoni est l'on qui n'a eu, est-ce que sa photo est allée l'autre, ou est-ce qu'elle est là, est-ce que sa rencontre, il y a Solo et Salemi, dans Mikolo, dans la tension, tous en aime. Ah, merci bien Jacques, ça tombe à point nommé d'ailleurs pour la expliquer na ba yeno so ba la photo na. Na koyeb sa bango que ezala ki na contexte so bango bazo loverate. La photo date il y a de cela 5 mois. Depuis to joga ngo, ça fait 5 mois. Mais j'ai été victime quand même na téléphone là. Les gens ont piqué presque beaucoup d'images. Oh ezala ki na carte. Voilà ça ba image mo bi malate. OK. Mais ba se servir nango, ba tu à côté qu'on peut pas faire voir na opinion que il y a eu une rencontre entre Kabound et le président de la République, et Zabungote. Les partis politiques, ils ont des règles. Ils ont des textes réglementaires, ils allaient comme ça là. Que Bisso et toi, Nakati, toi, ils ne doivent pas se comporter. Je crois que ce n'est plus un secret pour personne. La page Kabound a été tournée désormais. Aujourd'hui, c'est lui qui est le patron du parti présidentiel, c'est Augustin Kabouya. Kabound a été chassé du parti, exclu, et donc. Ce n'est plus question, il y a rencontre, tout ça. Les images à Caladon, c'est ce que je pouvais dire par rapport à ça. Donc vous ne regrettez pas Kabound? Ça fait 26 ans. Je regrette ce qu'il dit jusqu'à aujourd'hui. Kabound, c'est un individu. Il y a un combattant, le roi Anga, le roi combattant Moussoussou. Et il a pris à son temps le président du parti. Après ça y est, tant qu'on a une camina, non? Après c'est ma responsabilité. Et donc, ma responsabilité, on a l'élopé qui est pas dans l'aïe, mais là, il n'y a pas que ça. L'ivresse à pouvoir, ou les avantages du pouvoir, et voir que désorienté, il y a une ligne qui est respectée parce que nous avons un honneur qu'il faut protéger. Et à cela, je ne peux en aucun cas tergiverser par rapport à ça. Merci Adolphe Amissi. Manix Yenda, il y a VREP, volontaire de la République, Azanabiso Elongo, évidemment, Aza reconnu, n'a tenu, n'a yé, n'est comme Manix Mbote. Mbote na yo ndeko Jacques Kalonji. VREP en Ouzani. Bon, VREP yali loko tiko benga yango na Molaï, le volontaire de la République, yali mouvement politique ngai na créé et longo na bilenge ba ko croire na vision na biso et puis ba ko croire na vision tata mokonzi mboka chef de l'État parce que soko tangi même mobeko likonzi na biso na troisième paragraphe ya préambule eza koloba na biso que to sengeli na biso ko s'engager de manière volontaire pour na ko sala été mboka na biso ekimbeli boso et puis oyebi que hymne national na biso za ko pesa na biso mitindo ya kotonga un pays plus beau qu'avant et donc pour que toko mana niveau wana et sengeli na biso to ya na volonté d'abord o ezali symbolique ya engagement ya abnégation pe détermination ya kotonga mboka ya sika ensemble avec le président de la République, chef de l'État. Combat ouana, puisque vous considérez un mot, puisque vous êtes volontaire de la République comme un combat sacré
ensemble avec le chef de l'État, nous y arriverons. Et donc, pour nous, il y a un grand plaisir. Il y a la reçu pour la première fois dans le plateau Nayo, contrairement à ce que mes frères viennent de dire, la transhumance, je ne pense pas, parce que très généralement, tu vas définir transhumance en termes de mobilité de personnes physiques, alors que je sais et je suis rassuré que Jacques Kalongi reste constant et inamovible en termes d'idées, de vision et surtout d'engagement. Merci. On a la provocation à Missy. Alors, tout c'est là, Ndekomoko et à PPRD, à Zo Komelabiswawa. Lelo, Moebi, est à 24 février. Ça fait exactement 9 ans depuis que République démocratique du Congo a signé un accord cadre à Addis Abeba. Accord cadre d'Addis Abeba et Zotia, RDC, et 10 pays voisins, Bassinia Kinabiso, accord Rwanda, souci na Yango Ezali, commettre fin à l'atrocité, insécurité, Tozana Yango dans la région, il y a Grand Lac. Alors, quel bilan finalement, Otoko Kosala, na accord Rwanda, 9 ans après, est-ce que l'Elo, République démocratique du Congo, a coquille qu'on imposé leadership naïe, na région? Comment expliquer finalement depuis chute à Maréchal? C'est comme si Bangonde bazo contrôlé région. Est-ce qu'on peut compter sur le leadership de Félix Tshisekedi pour inverser quand même rapport de force au Eko Kozala? Plusieurs chefs d'État, baza déjà à Wana Kinshasa, parce que l'Elo sommet Wana, 10e sommet Zako Salema, pour na ko évaluer accord Wana. Qu'est-ce que le peuple a gagné par rapport à accord Otosignaki, 9 ans après, on en parle justement là-bas, invité Nabisso. Alors, Ndeko Amisi, question de manière générale, est-ce que RDC a joué par Naye, topé population congolaise, a joué l'itomba, dividende, bénéfice en signant cet accord. C'est vrai que Salama Kissou, Joseph Kabila en 2013. Est-ce que les lots ont gagné par rapport à la signature de Tchakin accord et Addis Abeba? Merci beaucoup, Ndeko Jacques. Premièrement, je crois que les lots n'ont jamais redouté le leadership au président de la République. Azali quoi imposé sur le plan de la région. Comme vous le savez, l'Elo, c'est une journée diplomatique et ça construit l'Elo. Et hier, nous avons assisté à l'arrivée ébélée. Il y a chef d'État, il y a pays voisins, accord cadre et donc accord cadre d'Issabeba. Voilà. Alors, ce qui est lobby qui est tombé un peu diagnostiqué, est-ce que le Congo a gagné ou bien Tozali toujours dans le processus. Mais je pense pour l'instant nous pouvons dire que nous sommes dans le processus. Même s'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites, mais nous sommes dans le processus. Et là, quand Malonga la carte à Corona, il est recommandé, ok, dans le pays voisin, ma au Bazali, ma partenaire, la carte à signature, bah qu'on a pour renoncer dans le comportement où ça et Elisa qui domicile. Il y a aussi porté à groupes armés pays, où ils allaient coquer. Pays voisins et Tinani. Presque, c'est pas tout. Mais ça dit 10. Bien sûr. Signé. Ouais. C'est vrai, Afrique du Sud, Azamo, Moussika, Nabisso, mais finalement, il n'y a pas. Qui Congo, Brazzaville, Azar, Rwanda, Ouganda, Burundi. Voilà. Alors, tant que je pays. Tolobi, ce qui a été arrêté dans le cas de Mkolo Toana, c'est qu'aucun pays où a signé. Azala Kaloko, la base arrière, il y a groupes armés où ils allaient coquer. Violenter le territoire de la Minga Moussous. Par exemple, nous les Congolais, en aucun cas, nous devons soutenir une rébellion Oyo et qui sont attaqués par exemple le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et le reste des pays. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, et avec le travail sur le terrain avec nos forces armées, vous voyez pour comprendre qu'il y a quand même des cas isolés. Souvent, ce Bakani Moutou, au moment où non, il est Ougandais, il est Rwandais. Alors, Tokoloba, si on veut analyser la situation, est-ce que Batouano Bazali Kokanabango, Ezali ba cas isolé ou bien Bazali vraiment reconnu au niveau de pays wana keno, ils sont envoyés officiellement pour attaquer le Congo. Tout ça aussi, ça cause problème. Deuxièmement, sur le plan diplomatique, nous avons vu, et créé même la polémique, ebele, na Katiamo Kanabiso, quand on a vu le président congolais et le président rwandais. Yaki na Goma, Bake na Rwanda. C'est la même chose avec l'Ouganda, avec le Yoweri Museveni. Okay. Je me rappelle, à son temps, Félix Tshisekedi, candidat président de l'UDPS.
dans son discours d'investiture, ils en ont moins phrase, mon roi Lobaki. Abi, à Joa qui a mon enfant Fano. Alors, bien, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mais les revolvers qui se trouvent au Congo, ce n'est pas pour servir le ferveur de la guerre contre, n'est-ce pas, nos voisins, mais nous, nous allons leur donner la paix. La paix doit être toujours recherchée. La politique de bon voisinage, c'est ça le président de la République. Tous les engagés, justement, pour te comprendre, décryptage, pardon, na leadership, il y a Félix Tshisekedi, alors, Ndeko Manix, est-ce que nous avons gagné parce que accord qu'Addis Abeba ils allaient signer avec Regain et M23 tout ça, mais finalement les lots scénario M23 et Zongi Lissou Babimeli Wapi, on ne sait pas, et pourtant accord et Kebisa ma pays Nyonso Bazaki signataire, mais est-ce que tu atteindre l'objectif y accord Rwanda où nous sommes toujours en plein processus 9 ans après Ngami Salubi? Bon, moi je pense que les lots sont ça l'exercice, il y a aussi la diagnostic, il y a aussi la décryptage. Il y a encore cadre à Addis Abeba. Je ne pense pas que Togo ait tiré comme conclusion que la RDC a tiré des dividendes en termes de paix, en termes de sécurité, en termes de tranquillité, de la paisibilité même de peuple congolais. Parce que Marambo Isako Salama, la partie Est, prouve à suffisance que la RDC demeure un État victime. Accord cadre, Oyo, État, chef d'État, ce qui signifie qu'il s'agit d'un engagement entre les États, mais malheureusement, on se rend compte qu'il y a une sorte de complaisance, il y a une sorte d'hypocrisie à l'égard des États qui entourent la République démocratique du Congo. Cela peut se justifier par le fait que le Congo est un pays au centre de grands enjeux, et aujourd'hui le Congo reste le pays le plus convoité, le pays le plus tiré par certains États. Parce que les autres, même temps, Togo, le Bélamarambo, il y a bah rébellion, exaction, etc. Oui, c'est vrai. La rébellion, les terrorismes, etc. Ils allient réalité, Oyo, en réalité, État Nyonso, dans un commun accord, il y a Afrique, surtout il y a Afrique centrale, c'est qu'il faut se mettre ensemble pour que éradiquer. Parce que Awa, il y a guerre. Parce que la guerre, le concept de guerre, même sur le plan de droit international, la guerre n'est possible que lorsque il s'agit d'un affrontement d'un État ou d'une armée républicaine d'un État contre un autre État. Et donc, aujourd'hui, il est tout à fait normal, et cela même est un impératif pour les États d'Afrique, pour que Bazala ensemble, pour que éradiquer le problème qui préoccupe la République démocratique du Congo, je parle évidemment du problème de l'insécurité de l'Est. Je crois que Tata Mokonzi ya Mboka, chef de l'État, a travaillé bec et ongle, surtout tout en mettant en avant-plan de sa politique et de sa gouvernance, une diplomatie de qualité, une diplomatie des concertations pour que a invité État Omoussousou, Nabanzi Bolandaki, échange à Tata Mokonzi ya Mboka avec le président rwandais, avec le président ougandais, c'était effectivement dans le seul but de pouvoir mettre des stratégies idoines afin d'installer la région, non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi la région. Mais quand la société civile, il y a Nord Kivu par exemple, Bazo Senga na RDC, a s'est retiré carrément na Corwana, d'autant plus que pour Nabango, il y a des actes flagrants, il y a violation, où les Abou Salima sur terrain, c'est-à-dire d'un côté à Corézali, mais d'un autre côté, toujours violé, comme si Batumutumu côté Azali. Est-ce qu'il faut, c'est une belle option, il y a qu'on s'est retiré. C'est comme ça que j'ai parlé de la complaisance des États de l'Afrique centrale, la complaisance de nos voisins, l'hypocrisie de nos voisins qui du reste continuent de convoiter la RDC parce que Mboka na biso est au centre de grands enjeux mondiaux. Mais au-delà de tout ça, et c'est vrai, lorsque la société civile crie dessus et demande à la RDC de se retirer de cet accord, c'est peut-être en raison de notre souveraineté que nous ne devons pas discuter avec qui que ce soit. Parce que tant que le Congo est un État souverain, c'est parce que le Congo doit prouver de quoi il est capable par rapport à la sécurité, d'abord interne de sa population. Et Oyebi, dans la sphère internationale, dans le cadre des relations diplomatiques, c'est les rapports de force qui s'impliquent. Et donc, il faudrait que la RDC, d'abord au niveau national, essaye d'imposer son veto
d'imposer son autorité extrême pour effectivement contracter n'importe quel contrat diplomatique avec les États dans le cadre des relations internationales. Donc aujourd'hui, il faudrait que Imboka, autorité Imboka Nabisoba Mekako, réfléchir à fond pour Nabotala si il y a toujours intérêt de pouvoir marcher dans le cadre de cet accord d'Addis Abeba, parce qu'aujourd'hui l'insécurité continue, la recrudescence de la tuerie, les terrorismes continuent. Et vous avez appelé ça hypocrisie, il y a un pays voisin. Alors, Amissi, est-ce que hypocrisie, Oyo, Manix Azomona, Félix Tshisekedi Azomona, pendant qu'il appelle Kagame, c'est mon frère, le Rwanda, c'est un partenaire aujourd'hui pratiquement commercial pour la République démocratique du Congo. Est-ce que Azomona hypocrisie, on a toyé pas ça la hypocrisie tout en regardant l'hypocrisie de l'autre? Bon, moi personnellement, je peux considérer les deux. Parce que quand on parle de l'hypocrisie, ce n'est pas plus longtemps, je crois que le mois de novembre, nous avons vu l'armée rwandaise traverser la frontière de la République démocratique du Congo. Or, nous sommes dans des organisations, il y a quand même des initiatives qu'on a imposées tous justement par rapport à un but. Et deuxièmement, nous devons nous demander, cet accord a été signé justement dans le cadre de Ad Vitae Aeternam, donc jusqu'à l'éternité, on parlera seulement de l'accord. Non. C'est-à-dire qu'on avait un objectif à atteindre. Okay? On s'est dit, ok, désormais, nous devons pacifier, nous devons. Aujourd'hui, ça fait 9 ans. Si nous nous disons qu'on évalue, bien sûr, le Congo n'aura pas vraiment plus de 50% par rapport à ce qui a été déterminé. Donc, on gagne le côté. Voilà. Alors, il nous revient, nous, en tant que Congolais, de réfléchir. Est-ce que cet accord nous est bénéfique? Si ça nous est bénéfique, nous restons. Si ça ne nous est pas bénéfique, nous devons nous dire que nous avons tout ce qu'il faut pour qu'on appelle notre pays État. Ok? Nous avons l'armée, nous avons les services de renseignement, celui de sécurité, nous avons la police et comme ça. Il revient à chaque organe de pouvoir s'assumer par rapport à la mission régalienne qui est la leur. Mais maintenant, les autres Colombani, armée, la mission est allée sur le terrain. Bien sûr, nous sommes en train de suivre. Quelque chose va déloger l'IDF là, ils sont en train de récolter les victoires en victoire. C'est ce que nous aimons. Quand nous sommes forts à l'interne, ça va permettre aussi les autres de pouvoir nous respecter. Exact. L'histoire avec Abiyarimana, le Rwanda et le Congo, avec le Mobutu, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous avons imposé la force et les autres là avaient peur. Et c'est ce que nous devons réitérer encore aujourd'hui. Il est important de comprendre. Mais réitérer aujourd'hui, Amissi, est-ce que vous allez compliquer, d'autant plus que tu as la même perception, quand par exemple, on a vu colère, il y a Mandé Konami sur la diaspora, Nenge Barouti qui a réagi, Kalamingi, lors du sommet France-Union africaine et Union européenne en Afrique. Est-ce que et mon Elinabiso y a ma voisin Zande mo pa auto le bango président zo mon na bato na bandeko mais biso moko a tous mon na bango des gens qui jouent pratiquement la hypocrisie. Alors comment est-ce que toko étoffé démarche na biso vis-à-vis la bato? Mais en termes de nos frontières bandeko na bali bandeko na biso arriver à Goma quand vous tozali, donc c'est naturel. On ne peut pas éviter ça. C'est naturel. Mais des frères hypocrites. Vous vous rappellerez, dans l'éruption volcanique de Salami, et c'était aussi la rencontre du président et de Paul Kagame. Les gens ont parlé, les gens ont décrié, ils ont tout fait, ils ont déclaré. Mais après, il y a qui m'ont pour l'envoi. Oh, t'es au moni. Il y a des gens qui ont mis sur place. Quelque part, gérer, et ça, là-bas, tacte. Vous comprenez? La population peut voir autrement. Mais les gestionnaires sont en train de voir autrement. Il y a des paroles diplomatiques. Quelqu'un ne peut pas te dire que non, je te déteste. Non. Mais il y a un langage qu'il peut utiliser pour te faire voir que non, ce que tu es en train de faire, je n'aime pas. Et donc, nous devons être cohérents. Mais bien sûr, il nous revient, nous, Congolais. Parce qu'il n'y a personne qui viendra réfléchir à notre place. Moi, je vais réfléchir à la place du Congolais. Non. Que nous réfléchissions, ce sont des choses qui ont été couchées sur papier. Nous avons des intelligences, ils doivent voir est-ce que dans cette organisation il y a encore l'intérêt du Congo ou bien le Congo peut se distinguer autrement pour retrouver ce qu'il est en train de chercher. Mais justement, Ndeko Manix, est-ce que Félix Tshisekedi Azako fonctionnait dans le contre-courant dans l'opinion interne vis-à-vis de la question OE?
Non, mais mon conseil, quand tu as mon conseil, tu as dit qu'au contraire, il y a opinion interne. Parce qu'il y a Ali comme le représentant, l'ambassadeur du peuple congolais dans le concert des nations. Parce que le président de la République, Ali, on a pour privilégier d'abord l'intérêt en Bokanam. Parce que tu as dit que tant que tu as la souveraineté, d'abord, il faut te dire que la souveraineté se manifeste d'abord sur le plan interne. Des quand tu as dit que tu as dit que d'abord te renforcer le service de sécurité, d'abord en interne. Pour que dans le concert de nations, dans les relations diplomatiques, Bappé s'abuse au respect au pseudo qu'on mérite. Tosengé n'a pas une armée moko forte. Tosengé n'a pas un service de sécurité moko oesa capable de répondre là-bas. Question d'ordre sécuritaire. Tosengé n'a pas la police ou à même de protéger les citoyens et leurs biens. Tosengé n'a pas appelé là-bas dirigeant au Bakosa là. À ma casse, il faut négocier dans intérêt diplomatique pour na Mbokanabiso. Et donc, les lots, nous devons évaluer ensemble, tout ce que tout ça, il y a pratiquement 9 ans, il y a accord. Mais lorsque nous regardons le résultat en termes de sécurité, en termes de paix, je pense que la RDC a tout intérêt, il y a qu'à revoir un certain nombre de points. Oui, mais les lots, même bateau, tout ce qu'il y a accord. Nous avons de liens en termes d'histoire, et des histoires même politiques, et voire même militaires. Oui, mais. Tango tata mon konzambo kala mzé Laurent Désiré Kabila Kotaki. Mais banal il n'est pas parrain militaire, c'était le Rwanda. Le Rwanda a été na Uganda. Le Rwanda et l'Uganda, bah on est bah côté ça qui ils ont servi à mzé Laurent Désiré Kabila en termes de ressources humaines, bah pessier, bah équipement militaire, bah côté. Toi tu penses que n'engé bah Kotaki na Congo, ils n'ont rien trouvé en termes d'intérêt, c'est-à-dire en termes d'histoire sécurité, le Rwanda connaît beaucoup de choses et il a même aussi certaines faiblesses de la République démocratique du Congo. Aussi, tu sais bah, que au-delà il y a bah richesse nabiso et belé autozali na ngo parce que le temps tombé ta masolo a coltan, masolo a diamant, masolo a or, surtout que bah pays yango o bako convoité. Bah pays yango obso de robenga bah hypocrite. Bazandinga dinga bakota la boni boni bakoluka ko travailler pour que bah ben na ko ba mpe ba intérêt. Mais l'autre robenga le Rwanda comme l'un des pays de l'Afrique centrale, on a dit producteur et coltan. Alors que Bato Bali n'a coltan en grande quantité. Et Ali Bissot, le Congo. C'est-à-dire que nous avons tout intérêt à travailler, même ceux qui n'ont qu'à plus loin. Est-ce que vous voyez, parce que dans le pays, le lien de l'histoire politique autant militaire, mais ceux qui, même à l'époque, depuis 1935, au a été le Rwanda déjà, Bazana a un problème avec Congolais depuis même l'époque de Colomb belge. Oyebitango famino et betaka la grande sociale et betaka le peuple rwandais le peuple ougandais le colon belge bakriaka lomba nobenga à l'époque la MIB la mission d'intégration les Banyarwanda c'était pour des raisons humanitaires bakotse ki ba rwandais na Congo mais malheureusement le colon belge tanga côté ici ba rwandais na ba ougandais na Congo azui bango a utilisé bango comme ba main d'œuvre pour que ba travailler na ba secteur vecteur du développement notamment ba secteur ya route secteur ya industrie ba rwandais wana ba ougandais wana tanga ba travailler parce que baza parmi ba tope ba sala so banzela. Hein, bah, comme main d'œuvre. Mais plus tard, tant Mobutu a eu après coup d'État, Mobutu a voulu effectivement organiser les élections législatives en 1971. Et déjà à cette époque-là, il y avait un groupe minoritaire de Rwandais qui réclamait comme Congolais d'origine et ils avaient le droit de pouvoir participer dans ce Parlement-là. D'où même le grand débat sur la question de la nationalité congolaise, sur la question de la date de référence. Parce que Mobutu, ensemble avec la classe politique zaïroise de l'époque, Balobino, Niet, Rwanda, Bakoye, Kosa, la partie Nakata Parlement, Nabisote, parce que Bango, Bayaki, et Sengé, Nabango, Kozonga. Et ce débat-là, et je pense que c'est le grand débat qui a vu le jour, et jusqu'aujourd'hui, il y a une minorité de Rwandais qui sont là dans notre pays, qui portent même l'identité de la nationalité congolaise. Bakota, na contexte, Wana, et Bazoa, influence, et Lelo. Si nous pouvons le dire dans deux termes le plus simple, la République démocratique du Congo a été infiltrée politiquement et voire même sur le plan militaire depuis longtemps. Et donc, Essengeli Nabiso, Bakondi Nabiso, en commençant par le président de la République, Bameka Kotala, un certain nombre d'aspects pour que tu retrouves réellement la paix et la sécurité dans la partie est. Mais dans le contexte et infiltration, Anna, s'il faut considérer thèse Oyo, Amissi, est-ce qu'on peut penser que les lois avec Félix Tshisekedi, la RDC peut s'imposer pour que Ezala Zahir, Otoyeba, qui à l'époque, Ezana contrôle pratiquement la région. Est-ce que c'est faisable? Mais bien sûr, c'est faisable. Oyebi, Ndeko Jacques, Mao Zedong Aloba,
bitumba yeba na mukole bandaki na mukole kosila yeba na kati. C'est la même chose dans ma kamutuzo mona au l'infiltration ya Congo et bandi lelo te bandi banda kala. Mais aujourd'hui le président de la République a la lourde charge de plus de 50 quelques années à l'infiltration. En commençant par Mobutu, on prend Mzé Laurent Désiré Kabila, on prend Joseph Kabila. Charge à l'agnos, ma trahison, ma infiltration, l'agnos. Les lois en amont à Félix Tshisekedi. Oyebi tata mon président Waleki, président de l'Union africaine, a tchaki quand même un panel. Hein? Panel, moi, c'est celui-là qui est congolais, oui, c'est celui-là qui va accompagner le mandat dans le niveau de l'Union africaine. Autrement, il va professeur Ndaiwe et le reste. Mais oui, voilà. Nous avons des intelligences. Ce n'est pas seulement topé sa qualité dans la vie sur haineux, pour toi la ranango haineuse, pour toi la ranango. Mais ce qui est important, topé sa qualité et la réflexion pour le devenir de notre pays. Il n'y a personne qui va réfléchir à notre place. Par rapport à Oeza pour les Kalilo, ok? Je crois qu'il va conduire Bazana. Capacité justement y a côté ma congolais ma domaine ignore sur la vie, ok, bah mais qu'à quoi réfléchir sur cet accord ici et que le président de la République sur le plan diplomatique il y a pas de doute à sali coexceller puis moqui les alliés comme on a que non désormais les Congolais entre les très bonnes mains, un fin politique, un fin diplomate à ça qu'on paie ça au essentiel vraiment et zala et puis les locaux Congolais allés considérer à travers le concert des nations. Et puis, tout ça en considération vis-à-vis de ma partenaire, la Bissolé. Mais il y a un bisomoko, il faut que tu la pour réfléchir. J'ai suivi le Moussa Fakir. Hein? Il louait. Pas président en commission. Bien sûr, il louait les qualités de notre président. Sur le plan leadership, si le plan y approche, Nengazozu la Makambo, comment il est en train d'orienter les problèmes africains pour qu'ils trouvent ma solution à travers le monde. Et nous... Sans peut-être trouver des solutions pour Nambokana et Moko. Non. Quand on dit de l'Afrique, d'ailleurs, nous avons beaucoup bénéficié. Le président de la République a parlé de l'Afrique, même dans la COP26, même dans la G20. Il a parlé de l'Afrique, mais Congo a gagné qui? Parce qu'il était l'interlocuteur direct en tant que président de l'Union africaine, mais en particulier président de la République démocratique du Congo. Okay. Et donc, sur le plan diplomatique, il utilise une pierre des coups. Et nous sommes bénéficiaires de ça. Peut-être que nous avons des gens qui ont des yeux mais qui ne veulent pas voir. Sur le plan diplomatique et les retombées que nous avons aujourd'hui, à moins qu'on n'ait pas les yeux pour voir. Mais nous pensons que, et nous connaissons celui qui préside aux destinées de la République, le président de la République, sa capacité, sa bonne manière de mener à bon port la politique congolaise, nous y pensons que. Place aux alliés au Kinde, les alliés, c'est quand même là, mon Ming, et c'est le Congo qui va gagner. Tu sais qu'il dit leadership fort, faible ou complice? Leadership fort, on a redémontré tout à l'heure. Oui, bien, nous avons Jacques Kalonji. Ce côté, la même histoire politique, on se rend compte que la réalité, surtout d'ordre sécuritaire, est liée et belée. On a évoqué en passant l'histoire, il y a beaucoup de même, il y a Mzé Laurent Désiré Kabila, Oezala, qui patronnait par l'armée ougandaise et l'armée rwandaise. Mais vous voyez que tant que Mzé Laurent Désiré Kabila Otaki, je pense qu'il avait utilisé pratiquement la méthode machiavélique, c'est-à-dire tous les moyens sont bons pour atteindre le pouvoir. Mais une fois revenu, une fois pris le bâton de commandement de la République, qu'est-ce que Mzé leur a balancé comme la philosophie de gestion de son pays? Ne jamais trahir le Congo. Il a commencé par chasser tous ces Rwandais et tous ces Ougandais. C'est là où il y a eu un grand problème. Parce que les gens, même si on est dans Mali, les gens, on a comment Mali a récupéré l'autonomie vis-à-vis de l'implication de la France. On voit comment le Mali est en train de vouloir se battre pour sauver sa souveraineté nationale. Et les gens, on a été, pendant 18 ans de gestion, nous avions été considérés comme un État sous-traité de l'Occident. Mais qui jouait le pont entre l'Occident et la RDC, c'était pratiquement le Rwanda, l'Ouganda. Mais en même temps, le Rwanda jouait le pont entre la RDC et la communauté internationale, la grande force, puissance mondiale qui sous-traitait la RDC. En même temps, le Rwanda tirait des dividendes économiques. En même temps, l'Ouganda tirait des dividendes économiques. Et donc, là où l'une des grandes missions de l'actuel président de la République,
c'est pratiquement de renverser cette pyramide. Mais justement, c'est ça le sens de la question. Est-ce que Félix Tshisekedi peut réussir à balancer finalement? Mais effectivement, Tata Mokonzi ya mboka est pratiquement dans la logique de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Toi, tu as deux philosophies là-bas sur le même diapason. Oya Lobby n'est jamais trahir le Congo. Tshisekedi Oya Lobby, je suis prêt à mourir pour la sécurité de mon peuple. Voilà un président, voilà un nationaliste, voilà quelqu'un qui veut mettre en avant-plan l'intérêt de son peuple. C'est là où nous disons que le 18 ans passé de gestion Oyo, bah Kondiaka, la Bakamba Kimboka, et ça 18 ans Oyo en réalité, il y a des difficultés. Là, on démontre même sur la question de la nationalité congolaise. Oyebi, même combat au Mobutu Abundaka, pour la date référence à la nationalité. Parce que bah, Rwanda, Rwanda, on a réclamé, comme Bakota a un sol congolais, depuis les 30 juin, pardon, depuis 1935, pour la Bango, Baza va s'user congolais, Baza pour réclamer nationalité congolaise d'origine. Parce que la date référence aux Arango Lelo, le 30 juin 1960, alors que Bamba Kotara depuis longtemps. Mobutu comprenant ça, avec la pression de la classe politique zaïroise de l'époque, Mobutu a tchaka date référence à nationalité congolaise Nabiso, 1885, date de la conférence de Berlin. Mouzé Laurent Désiré Kabila Aye, il a maintenu le même esprit nationaliste. A changé en kaka, l'Orwana de Zaïre au Congo. Il a laissé la même date de référence. Mais ce qui est curieux, une fois Joseph Kabila pris le pouvoir, le premier texte législatif au Joseph Kabila Simbaka, Tangazora Bokonzi, c'était la loi sur la nationalité congolaise. Et c'est lui qui a renversé au fait la date de référence de 1885 au 30 juin 1960 qui considère le Rwandais qui était déjà à l'époque oui, 1935. Et les Ougandais comme de Congolais ayant la nationalité congolaise d'origine. Et donc Olingi a insinué que Mutu a légitimé, a validé tricherie sur la nationalité. Si photo bengango bongo, il y a Rwandais et ça Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila. Aujourd'hui, ça ne sera pas une surprise de voir à la tête du pays un Rwandais, un Malien, un Ougandais comme Congolais ayant réclamé la nationalité congolaise d'origine. Parce que la date de référence telle que prescrite dans l'article 10 de notre constitution leur donne ces privilèges-là. Et ces privilèges-là leur a été servi par la mauvaise gouvernance de ceux qui ont géré le pays pendant 18 ans. C'est ça même la grande infiltration de la République. Nous avons été infiltrés. Du premier citoyen au dernier citoyen. Et c'est cela la gravité. Et donc, Lelo Sokotali, le combat de Félix Tshisekedi veut d'abord que le Congo, si possibilité il y a que le Congo peut coopérer avec la communauté internationale, si le Congo peut coopérer avec les autres États voisins, nous allons coopérer tout en maintenant notre souveraineté parce que nous avons une souveraineté que nous ne pouvons pas discuter avec qui que ce soit. Il y a un moment où mon Konzambo a du pouvoir. Premier exercice sur la banane au Salé d'Aïna pour rappeler d'abord dans le concert des nations que toi on a plus de 80 millions d'hectares de terres arables capables d'alimenter plus de 2 milliards de citoyens du monde. Toi on a une capacité énergétique en termes de 100 et 6000 mégawatts d'énergie capable d'alimenter toute l'Afrique. Nous avons un sol et sous-sol immensement riche. Na banjo hotel Kolandawa, lorsque nous avons organisé le forum DRC Africa sous le thème de la batterie électrique, parce que le Congo a un pays au centre des enjeux pour la nouvelle technologie, la batterie électrique, le véhicule électrique, Oikoya, la Mikoloyasima. C'est-à-dire quoi? Le président de la République a implanté un décor de la diplomatie de réciprocité, d'obligation. Bozana posa ya diamant nabiso, nous on a besoin de routes. Bozana posa ya manganèse nabiso, nous on a besoin de l'électricité, nous on a besoin de ceci, nous on a besoin de cela. C'est cette forme de diplomatie que le président de la République est en train de mettre en avant-plan. C'est pour le seul intérêt du peuple congolais. C'est comme ça que Biso doit un intérêt. Il y a quoi accompagner ses patriotes, ces nationalistes qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le seul ou la seule raison du salut du peuple congolais. Parce que c'est par là que nous allons tracer un chemin pour la meilleure destinée du peuple congolais. Mais situation, il y a un beau cas, et tout ça, la fragilité. Makassi, quelqu'un d'ailleurs a écrit à l'objet du président Félix Tshisekedi, est présenté comme un leader vertueux qui a les atouts nécessaires pour transformer son pays. Camille Kouyou a commis livre dans ce sens. Mais quels sont ses atouts, il y a administration Tshisekedi, pour transformer justement le Congo, même sur le plan, il y a un jeu, au niveau, il y a région, tout en est finalement. Tout est un slogan.
slogan, tout ce lobby, mais concrètement, à ce salon, nini pour que transformation ne salue. Mais Ndebo Jacques, je dois vous rappeler qu'il y a Congo depuis l'accession, il y a le président Tshisekedi à la magistrature suprême, nous la Congo, ils ont les priorités. Mais tant que vous tout, il y a un de nos compatriotes qui a reconnu quand même la capacité qu'a le président de la République pour transformer. Mais Oyebi, selon la manière dont le président de la République a allé pour aborder ma problème, Oyebi, ne cherchez pas que Yoko Salani dans la société, yo, il faut payer ça, Oyebi, payer ça. Et puis, réalité à la société, il faut se manifester. Le président de la République, il y a la logique à ça. Premièrement, nous devons nous respecter nous-mêmes. Il faut nous payer sa valeur. Toi, que nous sommes un grand pays. Ne comprenez si je vois qu'il y a un petit coup de mérite, ma carte de le président de la République, à ça pour rappeler par potentialité, au bisou tous en Angola. Quelqu'un qui est à la tête de ces grands pays-là, 80 millions de terres arables, tous allés dans sous-sol, les allés riches, mais n'en parlons même pas. La forêt, les lots, Angers, en termes d'environnement. Le président de la République a vanté son pays en disant que non, je suis pays solution du monde. Donc, il a compris qu'il a des capacités oyoyé c'est qu'il a vanté sur le plan mondial et que Batoua Azali Kolobela va comprendre le rôle oyoyé a pour jouer en termes de l'intérêt sur le plan planétaire. Co-vanté, oui, bah yebi c'est que nous représentons. Oui. Batounioso, même moi, non, Pierre Moundele, yebi c'est que représente le Congo. Mais que faisons-nous concrètement pour que l'amélioration ait cette chose-là? Il ne faut pas dire ça. Le président de la République est allé en profondeur. Totika la kaka, potentiellement riche. Au roi Ebsani, soit énuméré, biso. Bah, potentiel, biso, toi, non. Ils animent. Mais le président est allé au-delà pour nous rémunérer moko na moko, moko na moko. Mais à Yébissi Mokilike, il est important que tout tient entre Bisson et Bino, l'intérêt gagnant-gagnant. Le Congo doit gagner et Bino peut vous saliner pour gagner. Ça, c'est une manière d'apaiser ceux qui peuvent venir avec leur poste. Oui, mais les gens dans le Sénégal, ils vont se faire. Les gens vont se faire dans le Sénégal. Ils vont se faire dans les trains à grande vitesse. Ils vont se faire. C'est Erdogan. Lobby, lobby, bah, où tu peux inaugurer un stade. Président de Turquie. Président de Turquie. Mais maintenant, Bissot, tu y a pas qui paye à haut. Makissal a déjà passé combien de temps dans le Moutou et le Sénégal. Je crois qu'il a fait mandat. À comment qu'il a deuxième mandat, ils ont aussi la langue. Mais nous, dans le premier mandat à Pamba, Erdogan est arrivé chez nous. Il y a eu des contrats qui ont été signés pour l'intérêt des Congolais. C'est pour vous montrer que non. Le président de la République, quel que soit le président de la Turquie, a compris que j'ai un interlocuteur valable et respectueux que je dois me déplacer pour aller poser aussi mes investissements dans Katia Mbokawano. C'est la valeur que le président a inventée à travers le monde. Nous avons vu la relation caillie entre le président et le président des États-Unis. Il y a les partenaires qui sont venus. Le roi des Belges qui vient avec plus de 600 investisseurs. Et aujourd'hui, cette semaine, c'est une semaine diplomatique où tout le monde s'est invité en République démocratique du Congo pour réfléchir. Cela veut dire qu'il y a un leadership éclairé, un leadership responsable au sommet de la République sur lequel le partenaire, vraiment cette fois-ci, on peut se regarder en face et parler avec celui qui est devant nous parce qu'il représente une qualité, il représente aussi une responsabilité. Mais Manix, sous Mobutu, on avait un Zaïre respecté par tous jusqu'à sa chute en 97. Mais quels sont justement les atouts? Il y a leadership actuel, il y a Tshisekedi, Oyo et Koko rassuré, qu'au maître Congolais, Nabo Baza Awa, Nabo Baza Libanda Congo, Baza l'assure que Tata Otozanaye, Yaya Otozanaye. En tout cas, il nous rassure, bah, intérêt à la famille qu'on a la menacée. Si Mobutu était respecté avec son Zaïre de l'époque, c'est parce que le Congo, enfin les Zaïres de l'époque, avaient encore de la dignité sur le plan économique. Oyebi, l'université Nabusso, Torobien Galelo, l'université de Kinshasa, autrefois a été qualifiée comme la première grande université de l'Afrique centrale. C'est-à-dire déjà à l'époque, sur le plan économique, sur le plan de l'éducation, sur le plan social, et voire même sur le plan de la sécurité, les Congos étaient sur le diapason de grandes nations.
Donc les lois et les lois sont tous ensemble, c'est vrai. Il y a un moment donné, effectivement que Mboka ici est koufa. Mais biso, baoto ko kambama sous le leadership, il y a Tata Mokonza Mboka, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a un choix moko ya kosa. Bien au contraire, au lieu que to bomalisu son Mboka, to keneto enterré en mot davantage, biso to a un choix pour ressusciter la République. Et pour que ce to ressusciter la République, to sengena ko tombola nkita. À travers tous les secteurs de la vie nationale. Il y a mon moni, les gens même temps qu'on trouve ta masolo et la sécurité. Soit t'as les mêmes stratégies à bas ennemis à Mboka Nabusso, stratégie d'avoir commis qu'on change. C'est-à-dire, bah, comprendre déjà que sur le plan de la démocratie, bah, vous attendez mon conseil à Mboka. Faut donc procéder par cette fois-ci, la méthode, il y a coup d'État, la méthode, il y a putsch. Et même la méthode, il y a un coup d'État, bah, ça qu'on utilise, bah, moyen et belé. Il y a un moment là, même au-delà, il y a coup d'État militaire, il y a aussi ce qu'on appelle le coup d'État économique. Le coup d'état social. Comment vous pouvez imaginer un pays comme le Congo? Nous n'avons pas des unités économiques capables de répondre aux besoins sociaux de Congolais. Bah, unité économique n'yons soit banal coexister au bénéfice des Congolais. Bazo yango baboma, je parle du régime passant. Bazo yango baboma au service de quelques individus. Est-ce qu'on y a dit combien le port de Matadi banal coûte en termes de revenus? Nakati enveloppe financière en Bokanabiso. Mais pas en Babomat. Hein? Et comme à Poranan, il y a un individu, mon gros, famille présidentielle de l'époque. Est-ce qu'on y a bien Orgaman, Naba, Daipel, ba service, ba unité économique, mon souci, Banaïko, apporté en termes de solutions sociales? Mais Babomat, non, non. Pour nous créer société égale, il y a moi, si à Mokondi, il y a époque. Et surtout que Nabandi Bolanda qui est le rapport de l'IGF. IGF a ça qui rapport en intervalle il y a bané misato de 2017 2018 2019 Mbokanabiso perdra qui plus de 3 milliards de dollars na où Italie ba exonération illégale. Pourquoi? Parce que ba société ils ont créé na bateau wana na ba combat ba famille na bango bané ko fout en pas côté. C'est-à-dire que bango bané ko sombrer Mboka, c'est-à-dire quoi? La stratégie ici est ça, il faut tout détruire le Congo sur le plan économique pour que ba répercussion sociale ait à la subie. Na peuple en tant que subir ma conséquence sociale, peuple a manifesté révolte envers le président de la République. Pour que permettre na bango, tant que bagoya ça la coup d'état militaire, peuple a ça anini a accompagné bango. Il y a un moment état mon Mboka qui travaille sérieusement sur cet aspect économique, il veut que la RDC, au-delà du fait qu'a proposé Gbisso la possibilité d'accéder à la zone de libre-échange, ce qui est une bonne chose parce que ça, l'économie Nabusso est une économie de compétition, surtout que dans le marché et d'économie internationale. Mais Tata Mokonza Mboka n'a pas un but. Il y a qu'à renforcer d'abord l'économie interne à Nabusso, qui repose impérativement dans la condition locale là, pour relier par exemple la province Nyonso. Lelo, c'est vrai, il y a développement de 145 territoires, ce qui est une bonne chose, mais il y a aussi le besoin de relier le province. Parce que sur Okéi, par exemple, on a province, il y a le D Kivu, le Nord et le Sud Kivu, même sur Okéi, le Congo central, vous allez vous rendre compte que nous avons le pomme de terre. Le Congo a tous les atouts nécessaires. Nous avons des semences. Mais justement, pour la Kotombola Congo, Kokomisengo, une force, puissance économique, est-ce qu'il fallait forcément passer par un partenariat commercial, la Rwanda par exemple, ou pratiquement, au moins, local, un cauchemar pour la République démocratique du Congo? Bon, je crois que les pays, on ne les gère pas par émotion ou par état d'âme. Et donc, à Malonais, quand vous avez des partenariats avec les autres, il faut voir son intérêt. Ouais. C'est pourquoi ça se dit, hein, entre les États, il n'y a pas l'amour franche. Il n'y a que les intérêts qui priment. Quel intérêt que le Congo a de signer un accord ou un partenariat avec le Rwanda? Est-ce que le Congo a l'intérêt dans ça? Si oui, on signe. Je crois que... Il y a eu une divergence hein, qui a pris beaucoup d'années. Mais explique-moi alors. Intérêt à Nguesanini en signant aujourd'hui qu'au commissaire partenaire, au regard, il y a passé la mission tout ça, Nango, il y a moi, Mindondo, tout ça. Mais qu'est-ce que nous gagnons finalement? Moi, je pense que l'histoire nous aide à construire l'avenir. Est-ce que nous pouvons revoir les histoires, l'histoire du monde entre la France et l'Allemagne? La relation qu'a aujourd'hui la France et l'Allemagne, est-ce pouvait exister? Parce que ce sont les pires ennemis. Ils se sont fait la guerre pendant longtemps. Mais ils ont accepté de faire quand même la paix de Braz et ils ont avancé. Bisototika Keto, tu vois, Keto.
Nous n'avons pas une histoire rose entre nous et le Rwanda ou le Burundi ou le Luganda. Mais quelque part, méfiance ou anan, et où t'as qui peine ma politique, au bas qui n'a sommité, au bas qui des jeunes mocs. Ils n'avaient pas la franchise vis-à-vis de ma peuple là-bas. Parfois ils ont vu leurs intérêts. Et à mon mais la haute en haut. Tu sais, quand un politique vous parle, il faut faire attention. Il y a des dires politiques, mais il y a aussi des contours, cher ami. Les ressorts qui sont à Goma, dans la cave, je vois un discours qui sont dans la cave, on a c'est le contraire. C'est ça, ce sont des gens qui vivent ensemble. La situation est dramatisée par des acteurs politiques. Mais bien sûr! Arrivé à Goma, je ne sais pas moi si je serais contredit. Il y a des Rwandais qui quittent le Rwanda, ils travaillent à Goma. Il y a des Congolais qui quittent Goma, ils travaillent au Rwanda. Et c'est chaque jour. Mais, ils sont là. Mais est-ce que c'est là, ils ont annulé, est-ce qu'ils ont effacé version tout ça, que le Rwanda, peut-être l'Ouganda, a pillé le cannabis, exactement. Vrai ou faux, tout ça, des dramatisations là. Mais ce qui est important, il faut reconnaître. Depuis que Baba Ndiko Kangaba, Toba Okangaba, tu vas comprendre que le Congolais est l'ennemi du Congolais. Ce sont nos frères qui coupent des têtes de leurs frères là-bas. Et ils viennent ici, ils vous achètent des parcelles. Tu vois que non, patron, la va pas ton. Non, c'est derrière les sangs de ses compatriotes qui sont en dégâts. Ça, il faut qu'on se le dise. Aucun pays dans le monde est capable de se développer sans qu'il y ait des partenariats là-bas. On ne peut pas vivre on est au Kangaba place, Moko. Tu vois, le Congo aujourd'hui, et Zalina et Loko et parfois Zambie à Zanamote. Zambie à Zanamote, Loko à Zanamote, Bissot à Zanamote. Mais échange, Wana, et qu'on permette Bissot, ton Zoabi Loko et à Zambie, pas Zambie, pas Zoabi Loko à Bissot. Mais l'échange, Wana, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'échange de monnaie, il y a le coulage, il y a la marchandise, il y a la Congolais, il y a aussi les intérêts qui sont gagnés dans ça, et la vie continue. Mais dans ce qui te l'a dit, Bissot, on vit le cas à Bissot, Moko. Nous aurons des difficultés. Nous devons comprendre que non, le monde a évolué et nous avons le devoir d'être considérés, d'être respectés, tout en respectant aussi, n'est-ce pas, l'intégrité des autres. Mais dans Katiwana, il y a des intérêts qui s'échangent et nous devons être dans cette optique. Mais dans cette optique, il y a côté qu'il y a toujours un État qui négocie la position de faiblesse tout en restant on toujours. Il faut toujours ma négociation, ma dialogue, ma accord, ma nini pour survivre. Ou un jour, on peut faire aussi un peu de Russie, quoi. Pour ça, en gros, la Russie de l'eau, pour terroriser, pour bangui sa paix, ma voisin. Est-ce que c'est faisable? Bon, il y a un peu de stratégie, qui est utilisé effectivement pour récupérer bon son minabiso en tant qu'un état souverain, mais au peuple chef d'état pour ça la lélo ils ont beaucoup de stratégie. Vous voyez bien ceux qui autrefois te considéraient qui le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi comme bah pays aux bazar la viseur il y a insécurité en beaucoup d'abissos. C'est parce que ces pays-là, bah, tu vois, comme on a bango parmi bateaux bazar considérés comme tireurs d'officiels, l'autre bah, que la guerre de l'Est est une guerre asymétrique. Ils ont un contour ébellé. Il y a les aspects économiques qui entrent dans la ligne de compte parce que multinationales ont souffert côté à la Cambouana. Ils utilisent les pays voisins de la RDC pour que créer désolation sur le sol congolais afin de tirer des dividendes économiques. Toutes ces réalités-là pour pallier à ça. Il faudrait d'abord que la République démocratique du Congo, à travers un modèle de diplomatie stratège, te réfléchir comment te transformer l'ennemi Nabiso comme les gens qui ont quatre costumes, ils ont un mot de mot à l'ingaroté pour à mon avis, la veste est belle. Alors qu'il y a la veste est morte. C'est-à-dire, pour que l'Ongolaïe soit transformé d'un ennemi à un ami, il suffit seulement vos attaques costumes, mon corps, qu'on paie ça y est. Ça fait partie des stratégies. Oh, yo, koyiko, ça là, pour qu'on retrouve Kimia autour de vous. Lélo, si nous avons le Rwanda. On les stratégies, on était comme beaucoup. Non, pas du tout. Nous parlons des coopérations internationales.
La RDC, ce qui a signé un contrat avec le Rwanda, c'est un contrat qui engage les responsabilités de deux États. La RDC va tirer ses dividendes, le Rwanda va tirer ses dividendes. C'est comme ça qu'on parle des réciprocités, des obligations entre les États. Et donc, moi, je pense que la stratégie Rwanda, ou tout d'ailleurs, c'est une stratégie salutaire pour qu'elle puisse à Rwanda responsabilité, il y a pour travailler avec la RDC, pas dans le moyen le plus frauduleux. Et donc, les Losoki, tant qu'on déplorait les terrorismes, la rébellion, je pense que le Rwanda va s'aligner dans la logique de la RDC pour qu'ensemble, dans un commun accord, va éradiquer l'insécurité qui prend place dans la partie est de notre pays. Non, mais moi, aspect mon gros, n'a pas dit de quoi le Kiango, ah, attends, on va fustiger un certain nombre de Congolais, bisomon ko tozape ba acteur, il y a insécurité, il y a rébellion, la carte est beaucoup plus haute. Dans une partie, le rôle à PPRD. PPRD est allé métamorphose. Il y a un groupe rebelle au Tobinga qui à l'époque, AFDEL. AFDEL, structure militaire, bah, et s'est transformé en PPRD, structure politique. Ce qui veut dire quoi? Dans la carte, il y a PPRD. Il y a des gens qui sont experts en matière de rébellion. Il y a des anciens rebelles dedans. C'est-à-dire quoi? Sauf qu'il est le droit à la pose à expertise, il y a bateau, bah, mais il y a une solution pour la insécurité, pour la rébellion à l'Est. Je pense que PPRD peut jouer un rôle très important. Parce que Bazan va avancer à rébelle Makati. Bazan a bateau, il y a les vraies problématiques de la sécurité de l'Est. Mais si on va la moter, c'est pour la seule raison. Mais évidemment, on est de bateau. Et la quête, Seigneur de guerre, Bazan partout. Mais non, je vais le dire comme ici. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a qu'on minimise la situation à Congo? Est-ce que, au niveau du régime de Félix Tshisekedi, vous croyez qu'il y a une théorie à complot contre la RDC? Parce que tout le monde a, bien que tout le monde a pouvoir, vous avez tendance à minorer, à quitter sa conception. Bandeko, Bazali, Banda, Congolais comme nous, Bango, Bazali, surchauffé, Bazali, la lecture, Moussouzou. Est-ce qu'on peut se dire que Togolais Bouboum, c'est Congo avec vous? Moi, je pense qu'il est important de comprendre le contexte de Bandeko, Bazali, Banda, tant que vous avez dit propos, voilà. Et bien, quand vous avez Bazali, sans papier. Et bien, quand vous avez Bazali, Moussouzou. Ce qui na mukando ya zanango ba ebi ki akimaka wa pona makambo ya ba appartenance na politique et en aucun cas il peut émettre na zela oyo le gouvernement ou le régime en place et zali ko ki pour naye il faut toujours azala en déphasage pour ma comprendre non celui-ci n'est pas d'accord avec ces gens là-bas et donc il ne peut pas entrer dans la logique du régime. N'oublions pas Ndeko Jacques, c'est lui qui préside aux destinées de la République démocratique du Congo. C'est le fils d'Étienne Tshisekedi Luangu. Un démocrate. Un démocrate, un patriote, la référence politique de notre pays. Rappelez-vous la histoire d'Isaki à Accor et à Sand City. Ils se sont même retirés pour aller à Matadi. Ils ont signé Accor justement pour qu'ils passent au pouvoir. Mais je me rappelle à son temps, Lobaki. Laissez-les partir, ils seront bloqués quelque part et ils vont revenir. Mais tu sais qu'il y a des Rwanda, qui Burundi, Uganda, justement pour Azong, ils savent que non. Ça ne sert à rien. Nous tous, nous devons nous mettre d'accord. Et puis, tous, nous avons la fierté que notre sérénité là, par rapport à ma caméra, nous avons trouvé des solutions. Le nôtre, vous allez dans la constitution. C'est le fruit, justement, la constance et l'amour. Et donc, l'émanation à Montoana, c'est Félix de Tshisekedi. Mbokao et Kobunga lobby avec nous. Mais je vous dis, Mbokao et qu'on retrouve intégrité dans nous avec Félix de Tshisekedi. Mbokao et qu'on a respecté avec Félix de Tshisekedi. Et nous sortirons la rejection d'amis sur la tête haute. Parce que, et si Kabatika dit Mbokao, mais là, pour construire l'avenir, il faut consulter bien l'histoire pour que ça l'avenir à bien. Mais ce qu'on veut justement apparaître, quand on monte ma commissaire, référez-vous de l'histoire, tu vas comprendre. Alors, un exercice, parce que nous clôturons, Ndekomanix, 10 chefs d'État pratiquement, peut-être chef de gouvernement, on a RDC pour le 10e sommet, il y a accord à Addis Abeba. Est-ce qu'en tant que leader d'opinion, il y a Congo, na rosenda na yo en 5 secondes 10 secondes pour adresser bango un message au yebi au traduire bango pensée il y a République démocratique du Congo, c'est ce que nous pensons même en français il y a pas de problème.
Bon, vous savez, Ndeko Jacques, ce que nous pouvons dire à tout le chef d'État qui représente les États voisins, ici dans le cadre de ce sommet, la République démocratique du Congo est un pays, comme l'a dit le chef de l'État, un pays solution. Mais seulement, nous ne pouvons que négocier avec ceux qui savent respecter l'intégrité territoriale de notre pays. Nous avons mis en avant-plan de notre gouvernance, la gouvernance du président de la République, chef de l'État, le modèle de diplomatie, des réciprocités d'obligation. Vous voulez avoir un contrat avec la RDC ? Nous allons négocier en termes de dividendes que nous allons tirer et que vous allez tirer. Nous sommes tous frères appartenant à une même famille qu'on appelle l'Afrique. Si le Congo décolle aujourd'hui, ça sera pareil pour le Rwanda, ça sera pareil pour l'Ouganda, ça sera pareil pour toute l'Afrique, parce que le Congo est dans sa posture de gadget dans l'Afrique. Et aussi, nous devons dire que le président de la République a la mission, effectivement, de travailler dans le sens de pouvoir accorder aux Congolais les vrais saluts. Et c'est que le président de la République fait déjà aujourd'hui. C'est un début, c'est un chemin qui nous amènera effectivement vers la prospérité certaine. Abissi, Saint-Segon. Merci beaucoup, Monsieur Jacques. Je crois que toutes ces personnalités qui sont venus en République démocratique du Congo, c'est par rapport à une cause. Il y a eu les signatures qui ont été déposées sur un document et il y avait un début et il faut qu'il y ait une fin. La fin, c'est de voir le Congo retrouver sa sécurité sur toute l'étendue du territoire national, étant donné qu'il y a certains pays qui sont cités en étant en connivence avec les groupes armés. Nous y pensons que ces pays sont valablement représentés ici, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Et nous y pensons à adresser aussi nos mots à nos compatriotes, les gens qui ont le souci, n'est-ce pas, de ces pays, de pouvoir regarder dans la même direction pour accompagner la vision du chef de l'État, parce que le Congo restera indivisible. Merci. Nous ne voulons pas un sommet, il y a hypocrisie, mais nous voulons justement battre Bakoué-Boussa la évaluation en toute franchise par rapport à l'accord cadre et à Addis Abeba. 20h juste pour la rediffusion, il y a Grand Forum. Merci à Missy Adolphe et à UDPS. Merci Manix Yenda et à VREP, volontaire de la République. Merci également à Bino Pasco Bozaki, Ebele, Kolanda, Réflexion Oyo, Paye Boza, à travers le monde. Beaucoup participé à la réaction à Bino. Tokutani Lobby pour le dernier numéro de la semaine. Au revoir.